Eh bien salut à tous, c'est Star White. Aujourd'hui on se retrouve sur FIFA 19 pour le premier match de Champions League de la saison. Eh bien écoutez, on va jouer aujourd'hui contre l'AS Rome. On a un groupe assez dynamique entre Rome et le Bayern surtout. Les Monégasques qui vont faire leur premier pas cette saison avec Morata et Reus comme nouvelle recrue. Benteke est un petit peu plus fatigué devant, mais il aura de quoi se changer parce qu'on va lui mettre... où est-ce qu'il est notre ami? Il est là. Voilà, on va lui mettre Goebbels qui pourra éventuellement le faire rentrer. Voilà. Christian Benteke, la composition des Monégasques, elle est au complète, bien sûr, avec Subasic, Jemerson, Glick, Bareka, Henrich, Tielemans, Gonovin, Ronny Lopez, Reus et Morata et Benteke devant. Bien joué, Camille. Thiago Silva est la nouvelle recrue de l'AS Rome. Donc il est attendu, Thiago Silva. Et on est, le manager de Rome a dit qu'il se méfiait de Camille Glick. Tu l'as. Oula, attention, parce que là il est parti, tu l'as lâché. Oh, heureusement qu'il a fait n'importe quoi. Oh! Ah, bien joué. Ouais, c'est mérité. On en prend deux instants, quoi. Dommage. Allez. C'est un rendez-vous à ne pas manquer pour ces deux formations qui vont faire aujourd'hui leur début dans la compétition et qui, bien sûr, ont envie de bien commencer. La suite du programme dans un court instant sur EA Sports. Les Monégasques à l'échauffement. Bonjour à tous, c'est un grand plaisir de vous retrouver pour l'ouverture de cette UEFA Champions League aujourd'hui. T'avais manqué cette Champions League, Pierre, non? Oui, bah c'est la compète qui me manque le plus. Hein. Et à l'occasion de cette rencontre, nous allons suivre l'AS Monaco. Allez, les Monégasques qui vont donner le coup d'envoi, ça y est, c'est parti! Benteke pour Morata. Et le match est lancé avec Benjamin Henrich. Première phase. Ronny Lopez. Un petit peu comment les Monégasques vont réagir à leur premier match de Ligue des Champions. C'est là où est-ce qu'ils sont attendus cette saison, bien sûr. Vous le savez, avec les deux nouvelles recrues, il y en aura peut-être une troisième cet hiver, on verra. Juan Mata est avec le ballon sur le côté droit. Mata, le centre directement dans les bras de Daniel Subasic. Qui va démarrer du côté de la Roma. Avec Antonio Barek. Sans surprise, qu'a choisi l'entraîneur. Golovin. C'est sans surprise, mais c'est risqué. En fait, tout dépend de. C'est perdu. Ils ont quand même une belle équipe là sur le papier entre Morata, Mata, pardon. Morata, c'est chez nous. Mata, Pastore, Thiago Silva. Il y a quand même du beau monde. Plus les autres joueurs qu'ils avaient avant. Nzonzi. C'est perdu. Nzonzi, Pastore. Pastore justement avec El Shaarawy, ancien joueur de Monaco. Oh, magnifique. Magnifique. Eh bien, on n'aura pas attendu très longtemps pour voir ce premier but. C'est sûr, mais à mon avis, il va entraîner quelques ajustements tactiques de part et d'autre. Quelle action, Pierre. Surtout, quelle finition. Hein. Oui, c'est vrai, tout est parfait. Le centre, la reprise de volée. Allez, courage pour Monaco, parce que là, pas facile de commencer sur un but encaissé dès la 8ème minute. Morata. Alexander Golovin. Et Golovin qui va chercher Ronny Lopez, c'était bien vu. Le centre, directement sur le gardien, Horn. Dégagé du point par le gardien. Pastore. Shaarawy. Nzonzi. David Ceballos. Ceballos. Juan Mata. Mata. Belle couverture de Jemerson. Qu'est-ce qu'ils vont en faire? Morata. Benteke. Belle accélération sur le côté droit maintenant avec Ronny Lopez. Ah, il s'est fait avoir par Davis. Et le ballon sort en touche pour Monaco. Henrich qui arrive à lui remettre de la tête. Le centre de Ronny Lopez, Marco Reus, il a tenté de la remettre, il aurait peut-être dû la jouer tout seul. Bon jaillissement sur cette passe. Pastore, bien joué encore une fois pour El Shaarawy. Rome qui domine, bien contré par Henrich. Glick. Ouh là, attention. Ronny Lopez, il s'en sort bien et c'est perdu finalement. Et belle intervention de Glick. Tielemans, c'est perdu. Sur la trajectoire.
Arabia Pastore. Attention, ça revient vite de l'autre côté. Là, avantage en cours pour Rome. Le tir et bonne sortie de Subasic qui a bien couvert l'angle. Morata. Sur les trois coups de l'UEFA Champions League, on est vraiment. Menteke, c'est perdu. On a le sentiment que la saison est vraiment lancée dès que cette. Charaoui. Oui, même si les grands clubs ne sont pas encore tout à fait. Nzonzi, Manolas, bon, Pastore. La fin de la récré. Oui, ça sert. Charaoui. Tranquillement. Le centre, ça sera sans problème pour Souba qui la. Qui la récupère pas entièrement quand même. Santon. Nzonzi. Et le tir! À côté de la cage de Souba. 23ème minute, toujours 1-0 en faveur de Rome. Les Monégasques ont pas d'occasion, clairement. Alexander Golovin. Menteke pour Morata, peut-être là-dessus avec Christian Menteke. Oh putain, il a failli la perdre en plus. Rony Lopez, le centre, bien tenté, corner. C'est un corner, hein. C'est le défenseur qui a touché le ballon en dernier. Il était à la limite du hors-jeu. Rony Lopez pour Jemerson, la tête, non? Benjamin Henrich. Ça joue vraiment très bas. Yuri Tielemans. Bien joué ça pour Rony Lopez. Le centre de Rony. Morata éventuellement. Corner. Et corner pour l'AS Monaco. Rony. Allez, il va chercher Yuri Tielemans. Bonne sortie de du gardien Horn. L'entraîneur qui a tenu encouragé. Qui dégage au pied. Enchaîné les tête de Glick. La même invité en très vite récupéré par Rome. Fallait y penser. Schlick. Touche en faveur de Rome. Pastore. El Charaoui. Chic. El Charaoui. El Charaoui, le centre encore une fois. Barrecaille est devant. Golovin qui la dégage comme il peut. Morata, il fait suivre pour Marco Reus. C'est bien joué ça là-dessus. Un compte peut-être amené pour les Monégasques, mais il est tout seul, Marco. Allez, Benteke, tu l'as vu. Le bon départ de Morata. Il s'est arrêté. La frappe, but. Égalisation Monégasque. Alvaro Morata, premier but. Pour Monaco cette année en Ligue des Champions, il est signé Alvaro Morata. Un partout. C'est un match extrêmement serré, cette égalisation nous prouve. Très bon contre emmené par Marco Reus qui a pu donner sur Benteke, qui a pu remettre sur Morata, qui était à l'origine de cette récupération de balle et qui peut conclure son action un partout à la 33ème minute. Le match est relancé avant la mi-temps, ça c'est parfait. On sait que Monaco en ce moment ils prennent beaucoup de buts. Souvent d'ailleurs ils en prennent en premier. Ils arrivent quand même à remonter à chaque fois. Bien contré de la part de Jemerson et Golovin qui arrive à mettre de la tête pour Kissen Benteke. Et le ballon qui est déjà au milieu de terrain, le ballon il est mal donné. C'était mal donné de la part de Christian. Mata. Mata, Juan Mata. Pastore. Oh allez Souba. Oui, belle intervention. Il va la jouer en bas. Rony Lopez. Tielemans. Benteke. Morata. Morata, le bon départ, il l'a vu face à Rony. Bonne couverture de Davis. Et qui est sous pression. Il la met en touche. Rony Lopez est avec le ballon. Allez, Golovin qui est venu la chercher. Yuri Tielemans. Oui, ils sont plusieurs. Ça peut aller. Et Tielemans, Christian, c'est dur face à Sebelos. Et la frappe de Christian Benteke. Oh, sur la barre. Et Morata qui arrive pas. Rony Lopez les tire à nouveau. Oh là là, c'est bien joué de la part de Christian Benteke qui aurait pu être l'homme de la mi-temps. On a bien failli prendre l'avantage. Benteke qui arrive à la remettre justement sur Rony Lopez, le bon centre. Reus. Ouais, bien donné ce ballon. Mata. Yuri. Charaoui vers l'avant, belle couverture d'Antonio Barreca sans pression. Ah, il a bien senti le coup. Henrich. Jemerson, il y a peut-être une faute là-haut. Henrich qui fait tomber lui aussi son adversaire, donc du coup il n'y a rien. Et Yuri Tielemans qui repart vers le milieu de terrain. Avec Benteke pour Morata, c'est bien joué. Allez, faut avancer. Le trou c'est pour Golovin. La frappe, oh non! Qu'est-ce que c'est mal fait de la part d'Alexander Golovin. Oh, le numéro 10 de Monaco qui s'est troué là. Hand qui dégage. Morata, Benteke. Oh, bien tenté là avec Rony Lopez. Il va le chercher ce duel. Il va le gagner en plus. Il va tenter d'arriver à la surface. C'est dur face à deux joueurs. Très bon retour d'El Charaoui. Et c'est la mi-temps. Un partout. Monaco depuis la 30ème minute est revenu. Vraiment revenu dans son match. Et dommage pour Benteke qui aurait pu marquer.
De l'autre côté, un partout entre Bruges Madrid, 0-0 Barcelone. La Juve mène 2-0. Liverpool gagne 1-0. Et Valence fait 0-0. Et c'est reparti. Deuxième période lancée par Rome. Encore un bon ballon. Ah, ça a été touché par Golovin, mais ça revient dans les pieds des Romains. Avec El Shaarawy qui poursuit vers Pastore. C'est Tielemans qui est au duel. Et c'est Tielemans qui la touche. Et c'est Henrich qui sauve le corner. Et on va jouer loin avec Antonio Barica un petit peu là. Trop de risques là pour rien. Et le tir du coup, il est au-dessus de la cage de Souba, heureusement. Une belle occasion de prendre l'avantage. Et Souba qui dégage son ballon. Morata de la tête qui gagne son duel. Ça c'est bien. Marco Reus. Alexander Golovin. Oh, Golovin qui a pris une cartouche là. Dani Ceballos. Et il est toujours aussi précis dans ses transmissions. Nzonzi. Ils font tourner. Attention. Patrick. Oh, le bon tacle de Jemerson. Heureusement, il fallait le faire. Il y avait danger. El Shaarawy. El Shaarawy, Souba qui était dessus. Il a bien couvert l'angle. Et corner tiré par Juan Mata. Et Kreuz qui rentre à la place de Chic qui avait marqué contre nous. Ceballos. Ceballos. Manolas. Dani. Qu'est-ce que tu fais, Glick? Oh putain, il m'a fait peur, il est fou quoi. Un petit mot Pierre. Bien joué Yuri Tielemans qui arrive là-bas, ça repart avec Rony Lopez qui est parti. Allez Rony. Yuri. Marco Reus. Il va accélérer dans la surface Marco Reus. Le centre de Reus. Oh c'est loin. Et Rony il va te battre. Directement en touche de l'autre côté du terrain. Qu'est-ce qui s'est passé? Déjà, ça part de Glick là, j'ai pas compris. Je lui fais faire une tête, mais il la met sur notre poteau. Le ballon qui sort de justesse. C'est un match de Ligue 1 Conforama avec cette rencontre. Allez, c'est un match de Ligue des Champions. C'est dur. Un véritable choc à venir qui devrait tenir toutes ses promesses. Allez, oui, bien tenté. Golovin qui peut la remettre sur Reus pour Morata. Morata, il a décalé Marco Reus. Marco Reus, c'était bien joué entre ces deux joueurs. Changement à Monaco. Comme prévu, William Goebbels va rentrer à la place de Christian Benteke qui aura fait un bon match. Christian Benteke avec une passe décisive et un poteau. Enfin, une équerre plutôt. C'est plus une équerre que le poteau. Et c'était vraiment bien joué. Allez, c'est bien joué la part de Benteke. Bon match quand même, malgré son peu d'énergie. Morata pour Reus, c'est bien donné. Et Reus qui va aller essayer d'aller chercher un duel là. Le centre de Marco Reus, c'est directement un corner. Transfert confirmé entre Suarez. Transaction aurait atteint une somme astronomique. Ah, Morata! Bien joué. Et Vorn qui dégage ce ballon. Et Jemerson de la tête. Ah, il n'y avait personne. Oh, il fallait regarder le jeu, les gars. Oh, c'est bien donné. Golovin. Rony. Morata. Reus qui la remet, le jeu d'équipe est là, Morata! Oh là 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 là! Très très bon arrêt là du gardien à bout portant! Ah ouais, là c'est clair que. C'était. Putain, on méritait de marquer quoi! Le jeu était vraiment là! Attention à un contre avec El Shaarawy! Max Kroeze. Oh oui, El Shaarawy! C'est à côté de la cage de Subasic, il a pas tremblé le gardien, moi un petit peu quand même. Ah, et nouveau changement à Monaco, c'est Valde Diao qui va rentrer à la place de Rony Lopez. Il y aura deux joueurs frais sur le côté droit. Deux. Bah, c'est un peu normal, Hervé, quand tu regardes. Comme... Allez, il reste 25 minutes de jeu. Le dernier changement, il est là. Et Subasic qui se dégage. Toujours un partout entre Monaco et l'AS Rome. Et c'est vraiment un match qui est devenu bien plus équilibré qu'en première période. C'est des buts pro à la... Marco Reus vers Goebbels. Putain, je cherchais Balde Diao. Je cherchais pas Goebbels. Une belle anticipation. Il y avait vraiment un trou. Je sais pas si vous l'aviez vu, mais en tout cas, je l'avais vu. Glick. Balde Diao. Et là, c'est pareil. Je cherche Reus, pas Morata. À l'adversaire. On va passer en offensif parce que je vois qu'il y a quand même des trous. Et j'ai envie d'aller chercher quelque chose. Mata. Benzonzi. Max Kroeze. Bien joué, Balde Diao. Avec Goebbels. Goebbels, deuxième chance peut-être pour Balde Diao maintenant avec Morata, le ballon. Dur.
Et Baldé Diao qui va se battre. Et allez, allez, et Baldé Diao, c'est dommage. L'entraîneur de la Roma. Changement encore. De changer un joueur. À charge maintenant pour le remplaçant de trouver le bon rythme dans ce match. Ouais, parce que là, c'est quand même un match qui s'emballe et Edrich qui va venir couvrir ce ballon devant El Shaarawy. Et qui va venir le perdre surtout. Oh, Subasic, énorme intervention. Oh là 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 là. Oh, c'est pas possible. Ouais, de la tête, c'est superbe. Ouais, les appuis sont bons. La détente. Et là, tu te dis que vraiment, on n'est vraiment pas aidé. Oh, Baldé Diao. La puissance. Daniel Hier aussi à l'interception. C'est dommage parce qu'on a eu vraiment beaucoup d'occasions pour mener. Et c'est Henrich qui fait la faute. Hein. Parce que Souba, voilà, après on n'a vraiment pas de chance. Souba, il a, mais ça retombe dans les pieds sur la tête d'un joueur romain. Donc ça fait 2-1. Le corner de Mata, très bien tiré. Oh, c'est quoi ces dégagements, les gars? Oh, j'ai rien demandé là. Pourquoi vous faites des dégagements à l'arrache? Mais le contrôle est bon. Oui, il a des bonnes possibilités. Deux fois en plus d'affilée. Ouais, et toi tu t'es fait avoir comme un bleu. Eh, Jemerson, on se réveille. Le match n'est pas encore terminé. On a connu des. On a réussi à faire des trucs que d'autres n'ont pas réussi à faire. Allez, Dirk Gubbels, voilà, c'est bien donné ça. Ce joueur de ballon pour William Gubbels. Oh putain, allez, on s'applique. Oh, quelle occasion, il l'a manqué. Faut s'appliquer, les gars. Égaliser tout de suite. Il reste 7 minutes dans le temps réglementaire. Pressing des rouges et blancs. Oh, ça passe sous le petit pont de Reus, quoi. Morata. Goebbels. Deuxième chance, William. Putain, mais c'est pas vrai. C'était touché, mais par qui? Par le défenseur. Camille Glick. Cette tête. Hand qui dégage comme il peut. Ah, ils sont sous pression, les Romains, mais ça ne suffit pas. Oh, il y a un trou là. Heureusement qu'il y avait Jemerson là-dessus. Parce que c'était une grosse occasion qui était offerte aux Romains. Et Youri Tielemans qui peut donner maintenant à Marco Reus. Marco Reus, allez! Oui! Oh, c'est dedans, on l'arrache. À l'arracher. Ouf, Marco Reus qui marque pour Monaco. 2-2, l'égalisation. Ouf. Touche le ballon, hein, Pierre. Finalement, il n'était pas loin de l'arrêter, mais c'est rentré. Oh putain, le gardien, il la touche en plus. Et c'est encore un retour au score, une nouvelle égalité. Et deux partout maintenant. De temps additionnel, c'est ce qu'a indiqué le quatrième arbitre. De Rossi. Max Kruse, Javier Pastore, les joueurs de la Roma qui vont tenter d'arracher la victoire sur ce ballon. Ouais, il a bien repris, in extremis. Henrich! Il centre au premier poteau. Ouais, c'est bien pris par le gardien. Ah putain. Voilà, c'est fini à l'instant. Match nul donc. Henrich. C'est dommage. Ce but encaissé très tôt d'ailleurs. Dommage parce qu'on était bien remonté. Ah oui. Et bien joué là-dessus, Morata. Qui la met vraiment parfaitement. À l'opposé du gardien. Voilà, il couvre bien l'angle. Encore une fois, c'est Henrich qui a eu vraiment du mal sur El Shaarawy. Et là, sur ce but, putain, on a vraiment pas de cul, quoi. Là, Tielemans qui va vite la récupérer pour Reus qui tient son défenseur et qui va chercher une frappe du gauche. Et ça fait but. Ça nous fait plaisir. Le Bayern, qu'est-ce qu'ils ont fait, le Bayern? Ils ont pas joué. Bruges qui a perdu finalement contre Madrid 3-2. La Juve, grosse victoire. Et nous, on reste... on a eu un petit point, voilà. On a eu un petit point. Allez, on a réussi à revenir quand même. Bon, c'est bien. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo et à très vite pour la suite du championnat.
ou la Ligue des Champions, je ne sais pas encore, à la prochaine, salut tout le monde.